une rentrée plutôt mitigée avec des actions renforcées, notamment vers l'industrie. C'est plutôt effectivement un point de rentrée économique avec un niveau de défaillance hein, qui est quand même qui pèse hein, sur l'économie de nos TPE-PME hein, qui sont quand même majoritaires puisqu'on a vu que c'était 99% des entreprises du territoire. Donc une rentrée plutôt mitigée avec des actions renforcées, notamment vers l'industrie et puis également vers le tourisme avec ce formidable élan que représentent les Jeux Olympiques et Paralympiques qui ont permis de redonner en fait une dynamique un peu au territoire, aux chefs d'entreprise dont le moral était un peu en berne. On a fait aussi un point sur le contexte du logement. Du logement et donc de l'impact sur le socle de notre économie que sont le bâtiment et la construction. À partir de là, on a un certain nombre de secteurs à aider, à orienter, notamment par le fonds de revitalisation, pour permettre justement à l'ensemble des grands groupes et des TPE-PME qui se créent majoritairement dans le territoire, de pouvoir développer, avoir des perspectives dans leur activité. Un accompagnement renforcé auprès des plus petites entreprises et puis également une aide aussi des grandes entreprises sur l'export, l'international, l'innovation, qui permet aussi de faire travailler nombre de petits sous-traitants.